Alors, ben, pour l'instant, ben, je vais commencer par donner la parole à Sidéo Info Service, qui va vous faire une petite introduction. Ensuite, Oui, à partir du slogan "Se protéger, c'est bien, bien se protéger, c'est mieux", chacun, à tour de rôle, donnera ses impressions sur ce slogan et comment il le ressent, quoi. Hein. Et pendant cette phase-là, donc, comme j'ai écrit tout à l'heure, eh bien, ceux qui voudront rajouter quelque chose, ceux qui auront une idée sur le débat, donc demanderont la parole et je noterai leur pseudo. Et ensuite, donc, le débat sera instauré. Alors voilà, donc je donne la parole à Fida Info Service. bonsoir à tous. Merci de m'inviter sur ce chat autour donc de la prévention et autour du slogan "Se protéger, c'est bien, mais bien se protéger, c'est mieux". Nous fêtons nous-mêmes nos 20 ans cette année, donc ça fait 20 ans que nous mettons en pratique sur les lignes téléphoniques de SIDA Info Service, puisque SIDA Info Service a été créé en 1990. Nous mettons en pratique nous-mêmes, nous essayons de mettre en pratique auprès des personnes qui nous sollicitent sur les services d'aide à distance, puisqu'aujourd'hui on parle plus facilement de services d'aide à distance que de téléphone, puisqu'il y a autre chose que le téléphone. Il y a également les chats, puis les forums et les questions différées sur Internet. Ces pratiques-là, les bonnes pratiques pour essayer de faire que la prévention soit plus facile à intégrer pour les personnes. Si l'info service a terminé. Donc, je vais commencer à donner la parole à Bigoudi sur le thème du débat, c'est-à-dire le slogan. Alors, Bigoudi, c'est à toi. Alors moi, je pense que bien se protéger, c'est bien évidemment le préservatif. Et bien se protéger, c'est mieux. C'est évidemment le préservatif aussi, mais à long terme, dans le temps, jusqu'au test. Merci. Donc, je vais donner la parole à Geoffrey. À toi, Geoffrey. Donc bonjour. Donc se protéger c'est bien, même chose, je pense que c'est le préservatif. Et bien se protéger c'est mieux, je pense que c'est se protéger soi-même justement contre le fléau et faire attention je sais pas comment expliquer mais bien se protéger, c'est-à-dire se protéger nous-mêmes, protéger soi-même quoi en gros. Voilà. Bien, merci. Donc tu peux recouper, oui, d'accord. Alors, bon, pendant que les intervenants s'expriment, vous pouvez, si vous avez des idées, faire appel à moi, je noterai les pseudos hein, de ceux qui veulent dire quelque chose en plus par la suite. Hein. Donc là, je donne la parole maintenant à Pierre. Pierre, c'est à toi. Oui, je n'entends pas Pierre. On va essayer de régler le problème de Pierre. Je disais tout à l'heure Bigoudi, pour dire que la prévention, effectivement, on a raison de dire que c'est le préservatif, mais il y a également comme stratégie de prévention ce qu'on appelle la négociation. Et la négociation, c'est apprendre à savoir ses limites et puis apprendre à poser des questions à son partenaire. À quel moment il a eu des situations à risque, quelles sont les pratiques qu'on est prêt à accepter ou pas. Comment savoir dire non, tout ça c'est ce qu'on appelle la négociation, et la négociation ça fait également partie de mieux se protéger. Est-ce que c'est clair ce que je disais? Oui, c'est tout clair, oui. Bien sûr. Moi je voulais poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que le sida progresse ou régresse actuellement? Il progresse un peu partout. Il y a dans le monde, malheureusement, la progression, il y a toujours de nouveaux cas de contamination tous les ans, mais les nouveaux cas de contamination sont de moins en moins nombreux. Pour exemple, en 2007, on comptait 7 000 nouvelles contaminations par an. En 2008, elles n'étaient plus que 5 500. Alors 5 500, ça fait toujours beaucoup, mais c'est moins que l'augmentation qu'on avait pu observer les dernières années. D'accord. Merci. Je vous en prie. Bien sûr, Tom. Est-ce que le test est toujours à 3 mois à échéance? Non, 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 il y a eu des changements, effectivement. C'est plus 3 mois aujourd'hui, c'est 6 semaines. Hein, 6 semaines révolues. Il y a ce qu'on appelle des tests rapides qui permettent de savoir, de diagnostiquer plus tôt l'infection à VIH.
Toutefois, la recommandation, mais ça n'est qu'une recommandation des pouvoirs publics, c'est de faire une confirmation à 3 mois d'un test négatif à 6 semaines. Mais pour les médecins, le test qui fait foi, celui qui donne le diagnostic, c'est le test à 6 semaines. Ok. Ok, il me semblait aussi, parce que hier j'ai eu quelqu'un persuadé que le test était toujours à 3 mois. Non, ça... Qu'il y avait eu du changement. Non, de ce côté-là, il y a effectivement un changement. Le test aujourd'hui est à 6 semaines. Par contre, en revanche, c'est important de signaler que le test de dépistage de l'hépatite B et de l'hépatite C, alors l'hépatite C n'est pas une maladie sexuelle, mais elle est très souvent présente dans les contaminations chez les gays. Le test de dépistage pour l'hépatite B et l'hépatite C, sa validité à lui est bien de 3 mois. J'ai entendu dire aussi, Thierry, qu'il y avait peut-être un nouveau protocole. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que vous voulez dire par protocole? Un nouveau médicament. Nouveau traitement, oui, il y en a régulièrement des nouveaux traitements. On estime que à peu près tous les mois, il y a des nouveaux traitements anti-VIH qui apparaissent. Alors, ils sont pas forcément tous mis sur le marché, mais ils sont souvent mis à l'essai. Là, effectivement, la progression la plus importante en matière de sida, elle se fait du côté des traitements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup allégé les traitements. Donc l'image qu'on avait il y a quelques mois ou quelques années de personnes qui prenaient énormément de comprimés, de pilules ou de gélules est une image qui tend à disparaître, étant donné qu'aujourd'hui, on arrive sur des thérapies où on n'a plus que quelques comprimés à prendre par jour. D'accord. Mais on en est toujours au stade de la trithérapie. C'est ça, c'est trithérapie ou polythérapie, hein, puisqu'en fait, trithérapie, en fait, on s'aperçoit qu'il y a... Trithérapie, c'est 3 molécules. En fait, on s'aperçoit que dans les traitements, il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent 4, 5 ou 6 molécules différentes en fonction de la façon dont elles réagissent à la présence du virus. Mais grosso modo, D'accord. On parle de trithérapie pour tout le monde. D'accord. Et actuellement, quelles sont les personnes les plus touchées, les homosexuels, les hétérosexuels? Alors, les personnes les plus touchées en nombre, c'est la communauté homosexuelle, en France en tout cas. La progression la plus importante se fait chez les homosexuels, effectivement, chez les jeunes homosexuels notamment. Enfin, les jeunes homosexuels, ça veut dire entre 20 et 25 ans à peu près, ou 18 à 25 ans à peu près, on pourrait dire. Une grosse progression, effectivement, des contaminations de ce côté-là. Mais l'augmentation la plus importante, elle est chez les femmes. C'est-à-dire qu'en nombre de personnes contaminées, il y a plus d'homosexuels contaminés, mais la progression la plus importante en pourcentage d'augmentation, c'est chez les femmes hétérosexuelles. Ah, d'accord. Et les toxicomanes, comme demande Tom? Les toxicomanes, vu que la toxicomanie par voie intraveineuse, elle a été très largement médiatisée comme étant une pratique à risque, et en plus, elle est en forte régression en France. Hein. Les personnes toxicomanes sont peu usagères de voies injectables. Du coup, la communauté est beaucoup moins touchée aujourd'hui en termes d'augmentation par le VIH. C'est très stable et c'est très faible. Le pourcentage est très faible de personnes toxicomanes concernées par le VIH en termes de personnes touchées, nouvellement touchées. D'accord. Et quels sont les pays dans le monde les plus touchés? Alors, ça reste malheureusement toute la zone équatoriale, principalement l'Afrique noire. Et les États-Unis, la communauté américaine reste encore très concernée par le sida. C'est par prélèvement sanguin qu'on fait le contrôle du VIH. Hein. Le test de dépistage se fait par une prise de sang dans laquelle on va chercher les anticorps du virus. Mais une piqûre sur le doigt, ça non. Les autotests ne sont toujours pas validés et il n'existe pas de test identique aux tests qu'on pourrait trouver, les tests de grossesse, c'est-à-dire des tests salivaires ou des tests à l'urine. Ça ne fonctionne pas et ça n'est pas validé. Sa parole à Geoffrey. Donc, je repars sur la base de la prévention, parce qu'en fait, le thème de ce soir, c'est aussi la prévention de... Mais Tom, tu veux poser une question? Donc, vas-y, pose la question. En fait, c'est une question et une constatation. Je suis entouré de pas mal de jeunes, hein, j'ai de la vingtaine d'années, et ils se protègent pas, quoi. Pas comme nous. Je voulais savoir si j'étais au courant de ça et qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors effectivement, nous on fait le même constat, beaucoup de personnes qui nous appellent font ce constat-là aussi avec nous.
Il semble que beaucoup de jeunes, effectivement, considèrent aujourd'hui, avec peut-être l'évolution des traitements, que le sida, c'est une question secondaire et qu'après tout, si c'est pour avoir une maladie chronique, ben, on peut faire avec. Si c'est comme le diabète, pourquoi pas, après tout, c'est pas bien grave. Ça vaut pas la peine de gâcher sa vie sexuelle avec des préservatifs, si c'est simplement pour éviter une maladie chronique avec laquelle, finalement, bon an, mal an, on vit bien. Il faut quand même se rappeler que les traitements, même s'ils fonctionnent de mieux en mieux, ils comportent des effets, ce qu'on appelle des effets délétères, c'est-à-dire des effets sur l'organisme, et que même si c'est plus les mêmes maladies qui concernent aujourd'hui les personnes séropositives, aujourd'hui les traitements au long cours présentent de graves risques pour la santé, des risques principalement en termes de cancer, de développement de cancer, en termes de développement de pathologies cardiovasculaires, et en termes de maladies neurologiques. Donc c'est pas forcément un bien que de se dire qu'on est contaminé et que comme ça on est débarrassé des problèmes de prévention, puisqu'il y a aussi des soucis pour l'organisme. Par ailleurs, les personnes oublient aussi peut-être parfois qu'on vit beaucoup mieux sa sexualité quand on n'a pas le souci de la santé derrière, et que la sexualité c'est quand même beaucoup plus agréable quand on n'est pas préoccupé par des maladies graves, et que le VIH est quand même reste encore une maladie grave et surtout une maladie mortelle partout, et qu'en France aussi, on continue de décéder des suites du VIH, même si les décès ont bien entendu beaucoup, beaucoup baissé. L'État a complètement laissé tomber, quoi, l'éducation nationale ne fait rien. Il semble qu'il y ait très peu de choses qui soient mises en place par les pouvoirs publics, effectivement, au niveau de l'éducation nationale. Nous, on fait des interventions, on n'est pas les seuls. Hein. SIDA Info Service fait des interventions en milieu scolaire. Il y a d'autres associations et d'autres structures qui font également un gros travail auprès des scolaires et auprès des enseignants. Mais ça reste des initiatives locales, soit les initiatives des chefs d'établissement, soit les initiatives d'enseignants ou de structures comme des musées ou des expositions qui permettent d'organiser des forums et des débats avec des jeunes. Donc, SIDA Info Service. Je voudrais parler en fait au niveau du sujet de ce soir, au niveau des préventions SIDA, et faire pas faire un débat, mais en fait faire un questionnement sur les préventions et les informations, parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est mal écouté, mal écouté, mal entendu par beaucoup de gens, surtout les jeunes, et trouver des solutions sur ce qu'on peut faire pour que ça soit bien écouté, bien entendu, bien compris, parce qu'il y en a encore certains qui ont du mal à être bien informé surtout. C'est nous, il y a un manque d'information. L'information, on le voit à la télé, on l'entend sur la radio, on l'entend partout, mais c'est très mal écouté. Sans doute vrai, ouais. Et si on pourrait trouver des solutions par rapport à ça, ben ce serait bien, surtout par rapport aux jeunes, parce qu'on fait des préventions au niveau des adolescents et au niveau des jeunes. On est très très sensibilisés par ça, et trouver des solutions au niveau de l'information et au niveau de la prévention. Alors, oui, c'est une bonne démarche, hein, mais je pense que malheureusement le problème, on est nombreux à s'interroger, hein, sur le comment faire pour toucher, pour sensibiliser les jeunes, les personnes en général, mais les jeunes en particulier, puisque c'est chez eux qu'il y a le plus d'augmentation de contamination. Malheureusement, je pense pas que le problème soit un problème d'information, et bien souvent il n'y a pas tellement un problème d'information, mais plutôt de comment intégrer l'information quand on est confronté à des pulsions, à des désirs et à des envies. Et que au moment où ça se passe, c'est souvent sur des lieux de consommation, et que c'est bien souvent dans l'après que les personnes, souvent les jeunes d'ailleurs, se posent la question de « mais qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait ?» Je pense que ça serait intéressant de réfléchir sur est-ce que c'est bien un problème d'information qui est en cause, ou est-ce que c'est la manière dont on fait passer cette information, et surtout comment on l'accompagne, l'information. On parlait tout à l'heure de tout ce qui est la négociation. La négociation, c'est pas vraiment de l'information. Il n'y a pas de savoir dire non, savoir dire ben on fera ça mais pas ça. Je pense à des pratiques qui sont non contaminantes. Il y a des pratiques non contaminantes, les masturbations, les caresses, les stimulations, tout ça, c'est pas contaminant du tout, et ça présente pas de risque de transmission du VIH. Il y a des pratiques avec des risques moins importants. On sait que les pratiques bouche-sexe sont moins contaminantes que les pratiques de pénétration non protégée. Toutefois, il faut éviter évidemment de multiplier les partenaires, parce que quand on dit des rapports bouche-sexe, ça ne veut pas dire dans les backrooms quand on se met à sucer 15 personnes les unes après les autres. Évidemment que là, ça présente des gros risques de transmission. Mais
tout ça, ça peut rentrer dans une stratégie de prévention et peut-être ça pourrait faire partie de l'accompagnement de l'information. Faut pas laisser tomber le volet information parce que c'est vrai que il y a des personnes jeunes qui arrivent sur le marché, entre guillemets, de la sexualité. C'est pas un très joli mot, marché, mais disons que elles commencent à pratiquer la sexualité, donc elles n'ont pas forcément les mêmes informations que des personnes qui l'ont déjà mise en application depuis plusieurs années. Mais c'est pas le seul point. C'est-à-dire que même si on a l'information, et on le sait bien, puisqu'on voit bien que les contaminations continuent d'exister également chez des personnes qui pourtant ont l'information depuis bien longtemps, c'est-à-dire des personnes qui ont 30, 40, 50 ans, il y a aussi des personnes qui continuent de se contaminer, et elles sont pas peu nombreuses, elles sont également assez nombreuses. Donc c'est bien que le problème ne vient pas seulement de l'information, mais également de l'accompagnement qui pourrait exister autour de ça. C'est-à-dire comment gérer ses pulsions, comment réfléchir à son désir, qu'est-ce que c'est que le désir, tous ces éléments-là sont des éléments qui permettraient aussi aux personnes, sans doute, de mieux s'approprier la prévention, c'est-à-dire effectivement, pour revenir sur le slogan dont on parlait tout à l'heure, mieux se protéger. Voilà, c'est là où je voulais en venir justement. Par rapport au slogan, et je pense que ça revient à ça, justement. Et si je peux reparler au niveau des adolescents, je pense qu'ils sont quand même plus touchés parce qu'ils sont mal informés. Mais est-ce que déjà par rapport aux jeunes, est-ce qu'à l'école, est-ce qu'ils sont bien informés d'abord? Ben non, c'est bien que l'éducation sexuelle à l'école, elle est réduite comme une peau de chagrin. C'est au mieux quelques heures sur toute la scolarité. Il semble pas que l'éducation nationale ait mis un accent particulier sur la prévention du VIH, de la même façon d'ailleurs que l'accent n'est pas mis non plus sur la prévention des risques de grossesse chez les jeunes filles. Donc ça relève du même désintérêt, on va dire, des pouvoirs publics pour la chose sexuelle dans l'éducation. Je vais soulever un petit truc... Un peu plus léger, si vous le permettez. J'ai remarqué que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de dons pour la lutte contre le sida. J'ai trouvé dommage que, comme pour la journée des Restos du Cœur, ou la journée pour le Téléthon, il n'y ait pas eu de soirée particulière pour le SIDAction. Car on dit que les Français sont généreux, et on aurait peut-être eu moins de questions à poser aujourd'hui, car il y aurait eu une soirée SIDAction, et je trouve dommage justement qu'il n'y ait pas eu de soirée et avec appel aux dons. Et pourquoi justement il n'y a plus de soirée SIDAction? Ça, c'est un petit peu difficile de vous répondre là-dessus. Ça relève plutôt d'un choix de décision des chaînes. Il y a peut-être quelque chose qui a pas été cette année facile à négocier au niveau des grandes chaînes nationales. Je peux pas vraiment vous répondre là-dessus. Il faudrait voir avec SIDAction quels ont été leurs pourparlers avec les directions des chaînes nationales. C'est vrai, on connaissait quand même que quand il y a une mobilisation importante sur une chaîne nationale, il y a beaucoup plus de dons qui sont faits. Ah bien sûr, tout à fait, non, mais vous avez raison. Hein. C'est simplement sur le pourquoi il n'y a pas eu d'opération cette année que je pouvais pas vous répondre, mais sinon je suis entièrement d'accord avec le constat que vous faites. Hein. Mmh. C'est dommage. C'est tout à fait déplorable, effectivement. Tom, tu voulais réagir? Il y a Tom qui va poser une question. Oui, en fait, j'allais plutôt dans le sens de Bigoudi, en disant que moi je suis carrément d'accord avec Pierre Berger. Ils en font trop avec le téléphone. Et tout ça devrait être regroupé. Faut dire de plus. Oui, que le sida, ça intéresse personne, en fait. Moi, voilà. À part des militants comme nous, s'intéresse-t-il le sida aujourd'hui? Pourquoi pas. Voilà. La question de Totoche sur le décelage du sida par simple figure-toi, info ou intox. Non, c'est des tests. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les tests minutes. Alors, les tests minutes, ils sont tout à fait valables, effectivement. C'est une piqûre au doigt qui permet de prélever un peu de sang. Donc, il s'agit d'un test sanguin. Actuellement, en France, comme en Europe, on pourrait dire dans le monde entier, puisque actuellement, les tests sont partout les mêmes, hein, les seuls tests validés par la communauté médicale et scientifique sont les tests sanguins. Aucun autre test n'est mis en application. Donc, le test dont parle Totoche, effectivement, la simple piqûre au doigt, c'est ce qu'on appelle le test minute. Il n'en demeure pas moins que
ce test-là, même s'il s'appelle test minute, c'est parce qu'on peut avoir une réponse assez rapide. Hein, donc, sous quelques heures, on peut avoir la réponse à ce prélèvement sanguin. Il n'empêche que le délai est le même. C'est-à-dire que par rapport à une situation à risque, il faut bien 6 semaines révolues pour que le test piqûre au bout du doigt ou autrement soit valable. Donc, une question de Pierre qui nous dit « Quelqu'un me dit que certaines personnes contaminées ne se protègent pas. C'est pas très normal. Oublie-t-il la maladie ?» Alors ça, malheureusement, oui, ça existe, mais il s'agit d'une prise de conscience personnelle. C'est vrai sur le sida, c'est vrai aussi sur d'autres maladies. On pourrait même dire que c'est le cas pour toutes les maladies sexuelles. Simplement, le VIH, l'infection à VIH, le sida, c'est une maladie dont on ne va pas se guérir, puisqu'actuellement, il n'existe pas de médicament pour guérir cette maladie. Donc, la gravité de la contamination est sans doute plus importante que pour une blénorragie, ce qu'on appelle une chaude pisse, ou pour une syphilis, puisque ces maladies-là, elles, on sait très bien les guérir médicalement. Mais il n'empêche que quelqu'un qui est porteur d'une infection sexuelle et qui ne le dit pas et ne protège pas ses rapports, ça relève au mieux d'une inconscience, au pire d'une démarche un peu nocive. Alors, il y a une question soi-disant de Totoche. Oui. Donc, il faudra revenir historique. Profitez-en pendant ce temps, si vous avez des réactions sur les préventions, tout ça, en parler avec le site Infoservice, que ce soit par écrit ou par micro. N'hésitez pas. Peut-être revenir sur le point que soulevait une personne là qui parlait de du caractère un peu surprenant qu'il peut y avoir à apprendre que des personnes qui savent qu'elles sont porteuses du virus continuent de ne pas se protéger. Alors, il faut se rappeler que depuis le début de l'infection à VIH, dans les années 80, on a toujours considéré, quand je dis on, c'est à la fois les associations, mais également les médecins et puis également les pouvoirs publics, que dans la contamination, sauf en cas d'agression sexuelle ou de mensonge avéré, c'est-à-dire falsification de documents ou autre, il y avait une part de responsabilité, ce qu'on appelle une responsabilité partagée. C'est-à-dire que, effectivement, la personne qui se sait séropositive a sans doute une grosse part de responsabilité, mais la personne qui est en face, la personne qui sera son partenaire ou ses partenaires, porte également une part de responsabilité en ne posant pas la question du statut sérologique du partenaire et surtout en acceptant des pratiques sans préservatif. C'est pas du tout pour débarrasser la personne séropositive de sa responsabilité, mais c'est pour dire qu'il y a toujours, encore une fois, sauf en cas d'agression sexuelle ou de malversation, quand on manipule des documents pour faire croire une chose qui n'est pas vraie, effectivement, la responsabilité sera toujours partagée. On ne contamine pas quelqu'un, on se contamine avec quelqu'un. Alors, il y a une autre question qui vient d'être arrivée, une question de Jimmy. Est-ce de l'info ou de l'intox qu'on puisse être contaminé par une simple piqûre? Une simple piqûre de quoi, de qui? Si c'est une piqûre, non. Que Jimmy voulait pas poser cette question-là. Une simple piqûre de quoi? Une piqûre avec une seringue sur laquelle on aurait marché dans le sable? Alors, c'est la question de Totoche qui est en fait un peu plus loin. En fait, il parlait du décelage du sida par simple piqûre au doigt, info ou intox. Ah oui, j'ai répondu tout à l'heure à Totoche. Effectivement, la piqûre au bout du doigt, si c'est ce qu'on appelle le test minute. En tout cas, ça ressemble à ce qu'on appelle un test minute. Un test minute, ça se fait effectivement par une piqûre. Au bout du doigt, on fait saigner un peu et on récupère le sang qu'on va analyser pour essayer de trouver les anticorps du virus. Ça se fait très rapidement et ça permet d'avoir une réponse dans la même journée. À la différence des tests traditionnels où on fait une prise de sang, qu'on envoie au laboratoire pour rechercher des anticorps et qu'on va récupérer quelques jours après. Le test minute permet d'avoir une réponse en quelques heures, effectivement, mais le délai, comme je le disais tout à l'heure dans ma réponse à Totoche, le délai par rapport à une situation à risque, lui, ne change pas. Ça restera 6 semaines, minimum. C'est-à-dire que quand on a pris un risque, il faut 6 semaines minimum pour ensuite faire un test, que ce soit un test minute par une piqûre au bout du doigt ou un test classique en centre de dépistage ou dans un laboratoire avec une prescription médicale qui prendra quelques jours. Mais il me semble, d'après ce que je vois sur mon écran, que la question de Jimmy, c'est pas tout à fait celle-là. C'est est-ce qu'on peut être contaminé par une simple piqûre? C'est pas le test là dont il s'agit, si je comprends bien. Jimmy, réaction. Je vois sur mon écran que Tom précise quelque chose sur une histoire de un contact de sang à sang.
Alors, je ne sais pas très bien ce qu'il voulait dire par là, mais on entend souvent parler de ça, de contact 100 à 100. Je voudrais bien, si Tom veut bien, hein, nous expliquer un petit peu ce que lui entend par là. Parce que c'est souvent un petit peu obscur pour nous, le contact 100 à 100. Ouais, c'est parce que je suis soignant et à l'hôpital, lorsqu'on se pique et qu'on ne connaît pas la sérologie du patient, la règle dit tant qu'il n'y a pas eu de contact de sang à du sang contaminé avec une blessure, hein, plus que du sang, tu ne prends pas de risque. On soigne de toute façon les personnes porteuses du sida de la même manière que tout à chacun. Ah là, ça vite, t'as entendu Tom? Non. Est-ce que vous pouvez répéter Tom? Je vous ai pas entendu. Donc Tom qui disait qu'en fait il est en gros qu'il est soignant. Oui. Et qui parlait, qui réagissait par rapport aux piqûres et tout ça. D'accord, dans les pratiques professionnelles. D'accord, parce que dans les pratiques professionnelles, effectivement, je vois mieux ce que c'est qu'un contact de 100 à 100. C'est-à-dire lorsqu'on fait un prélèvement sanguin à une personne et qu'on se blesse avec l'aiguille qui a servi pour faire le prélèvement sanguin, effectivement, on peut parler de contact de 100 à 100. Je pensais plutôt dans la vie quotidienne, parce que au téléphone, à Sida Info Service, on entend aussi des personnes parler de ça dans la vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, ça n'a pas tellement de sens. Alors, qui c'est qui veut bien Bigoudi, tu voudrais prendre la question, chacun son tour un petit peu, tu voudrais poser la question que Pierre a posée? Ah, ça y est, je vois la question de Pierre sur l'écran. Si on touche juste une éraflure qui saigne un peu, on ne risque rien. Il faut que la personne d'en face saigne elle aussi et colle la plaie contre celle de l'autre personne pour la voir à combien de pourcents de sang. Alors, effectivement, une éraflure qui saigne, on ne risque rien. Ben non, toucher du sang contaminé, ça présente pas de risque. La peau, c'est une barrière complètement imperméable. Hein. Seules les parois muqueuses, c'est-à-dire les parois du corps où il n'y a pas de peau en surface, sont perméables au contact avec des liquides contaminants comme le sang. Hein, alors les muqueuses, il faut se rappeler ce que c'est. Par exemple, l'œil est une muqueuse. Hein, à la surface de l'œil, il n'y a pas de peau. La bouche, l'intérieur de la bouche est une muqueuse, hein, la langue, le palais. Au niveau de l'appareil génital, chez l'homme, c'est le gland, qui est la partie muqueuse de son sexe. Chez la femme, c'est l'intérieur de la vulve, hein, l'intérieur des grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris et la cavité vaginale. Et chez l'homme et la femme, l'anus est une muqueuse. Hein, à l'intérieur de l'anus, il n'y a pas de peau. Donc effectivement, ces parties-là, s'il y a du sang contaminé à la surface d'une paroi muqueuse, il y a un risque de transmission, effectivement. Si maintenant il s'agit de toucher avec ses doigts, les doigts c'est de la peau c'est complètement imperméable, donc on peut toucher ce qu'on veut. Évidemment, il faut se laver les mains, par hygiène, mais ça présente pas de risque de transmission. Coller une plaie contre une plaie, c'est possible, effectivement, qu'il y ait un risque de transmission, mais est-ce que des personnes font ça? Est-ce que des personnes collent leur plaie sur une plaie? Parce qu'il faut que la plaie soit profonde, il faut qu'elle soit récente, et il faut qu'elle saigne beaucoup. Alors, est-ce que ça se produit dans la vie? Ben, ma foi, moi, dans mon expérience à Sida Info Service, et ça fait bientôt 16 ans que je travaille ici, je n'en ai jamais rencontré. Donc, si des personnes, effectivement, se trouvent dans cette situation-là, on ne peut pas exclure qu'il y a un risque de transmission. Au sport, ben, c'est peut-être possible? Dans le domaine du sport? Dans le domaine du sport, pourquoi pas, mais les personnes dans le domaine du sport, comme ailleurs, ne collent pas leur plaie sur la plaie des autres. Éventuellement, elles peuvent être en contact, mais c'est pas le VIH qui sera dans ces cas-là. Le risque principal, c'est plutôt les hépatites, l'hépatite B et notamment l'hépatite C. Parce qu'il faut savoir que le virus du VIH, même si on le craint beaucoup, ça n'est pas un virus qui est très agressif. Il n'a pas ce qu'on appelle une virémie très élevée. La virémie, c'est le degré d'agressivité d'un virus, on pourrait dire. Par contre, l'hépatite B et l'hépatite C sont des virus qui sont plus agressifs. Et en plus, les virus sont plus résistants. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir au niveau des préventions? Parce qu'on n'oublions pas qu'aussi cette soirée, c'est aussi un débat. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir au niveau des préventions? Oui, moi, Sandy. Vas-y, Tom. Alors, je me demande encore pourquoi, je reviens aux jeunes, et à beaucoup de gens, soit aussi, c'est de la prévention, hein, parce que connaître sa sérologie, c'est aussi être préventif, quoi. Pourquoi il y a si peu de jeunes qui soient au courant de leur sérologie aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les CDAG ne sont pas connus? Pourquoi, je sais pas, pourquoi les parents n'insistent pas pour que les gamins aillent faire le test? Voilà, je comprends pas ça.
C'est très juste, hein. Effectivement, des pleurs aussi. C'est très juste parce qu'effectivement, on incite les personnes à faire des dépistages pour cette raison-là. Vous avez tout à fait raison. Le dépistage, ça fait aussi partie de la prévention. Et connaître son statut sérologique, c'est également faire une démarche de prévention. Donc on incite, les pouvoirs publics incitent beaucoup au dépistage. Alors peut-être pas assez, il n'y a peut-être pas assez de campagnes, notamment à la télévision, on est tous d'accord là-dessus. Mais en tout cas, les uns et les autres, on essaie de mobiliser les personnes pour que les dépistages soient plus utilisés. D'autant plus qu'ils sont la plupart du temps gratuits et très faciles d'accès. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de la télévision, forcément de la télévision. On connaît les causes, on connaît les risques, tout ça, sans passer par la télévision. Non, les médecins traitants ont un rôle important à jouer, je ne sais pas s'ils le jouent vraiment. Beaucoup de médecins traitants proposent le dépistage du VIH quand il s'agit de faire une prise de sang dans d'autres cadres que le SIDA, la recherche du SIDA, mais malheureusement, il reste encore trop peu nombreux à le faire. Dans mon entourage, qui est très jeune, hein, vous l'avez compris, aucun ne connaît sa sérologie, aucun. Oui, ça c'est assez dramatique, effectivement, que des personnes ne se soucient pas de la connaissance de leur statut sérologique, surtout s'ils ont une sexualité active. C'est le cas. La peur, peut-être. Moi, bon, non, c'est le cas. La peur du danger aussi. Ils ont peut-être peur, hein. Sans doute, alors que pourtant, ça pourrait faire partie de la bonne prévention, étant donné que connaître son statut sérologique plus tôt permet une meilleure prise en charge de l'infection elle-même. Plus on peut encore une fois, revient au slogan. Absolument. Ça revient encore une fois au slogan. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a vu ces dernières années des cas de contamination plus spectaculaires que dans le passé, étant donné que les personnes qui découvraient leur statut positif au VIH le découvraient à la faveur d'une infection opportuniste, c'est-à-dire au moment où leur système immunitaire était déjà très affaibli. Ça veut dire que les personnes ont été contaminées bien avant qu'elles ne le sachent. D'ailleurs, on parle du slogan, mais on vous a pas posé la question. En fait, quelle est chez vous la vraie définition de ce slogan ? Ben, c'est un slogan qui a été, qui porte la signature de SIDA Info Service, mais c'est pas SIDA Info Service qui en est l'auteur, c'est l'INPES, c'est-à-dire l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé, qui effectivement mentionne toujours notre numéro, puisque c'est un numéro vert, accessible et joignable partout et par tous, mais c'est pas SIDA Info Service qui en est l'auteur. Alors, c'est pas pour faire la langue de bois, ni pour me cacher derrière mon petit doigt, mais effectivement, mieux se protéger, c'est effectivement un souhait qu'on peut avoir pour tout le monde. Donc, le but est sans doute de dire que il y a toujours mieux à faire que ce qu'on fait soi-même. Surtout, tout le monde, ceux qui nous entendent, réagissez aussi, parce que c'est un débat en même temps. Vous pouvez réagir à tout moment sur quoi que ce soit, sur une phrase, tout ça. Réagissez à tout moment, c'est important. Donc, pour revenir à la prévention, je sais pas, c'est vrai que... Bon, comme on a dit, c'est vrai que l'information passe, mais il y a un mais, quoi. Il y a un gros mais. Ouais. Déjà, je pense que la télévision, c'est pas le rôle, en plus. Effectivement, je reviens à ce que Tom a dit, c'est plutôt au rôle des médecins. Sans doute, oui. Surtout au milieu médical, qu'il faut que ça soit informé le plus possible. C'est vrai, la télévision ça a sans doute un rôle à jouer dans le rappel de l'existence de l'infection à VIH et du sida. Rappeler que ça existe toujours et que ça existe partout, y compris chez nous. Okay. Alors après, est-ce que même si on peut dire que les homosexuels sont plus touchés, est-ce qu'on peut dire que c'est la faute des homosexuels? Je suis pas d'accord. On peut pas dire ça. Non, ça serait complètement faux de le dire, effectivement. D'abord, ça contredirait ce que j'évoquais tout à l'heure avec Bigoudi, c'est-à-dire que les femmes sont, en termes d'augmentation de contamination, les premières concernées. La communauté homosexuelle chez les femmes, c'est pas du tout la communauté la plus touchée, loin de là. Hein. Parce que je vous dis ça parce que ça fait tellement le tour, dit oui, c'est la faute des homosexuels, on est le plus touché, on est le plus visé par rapport à ça, on est mal vu par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut aussi sensibiliser que c'est d'une, c'est pas notre faute. On n'y est pour rien. Même si au niveau du pourcentage, on est plus touché, mais ça concerne tout le monde. Voilà quoi. Je pense que c'est important aussi de rappeler que la maladie, c'est pas une faute. Que il n'y a pas de... Même s'il y a une part de responsabilité, la responsabilité n'induit pas forcément une notion de faute.
Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir encore sur quelque chose au niveau des préventions, au niveau du slogan? Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Tom, oui? Pour moi, c'est un slogan qui ne me convient pas, qui ne me parle pas. Hein. Pourtant, je suis sensibilisé. Voilà, j'ai fait partie d'institution, j'ai toujours milité contre le sida, contre l'homophobie. Et c'est un slogan qui ne me parle pas. Alors, peut-être que je suis trop informé. J'aurais préféré quelque chose de plus parlant. Tu es d'accord avec vous, Tom? Je suis d'accord avec vous. Du dépistage, par exemple, remplacé, bien. Donc, ça commence par connaître la sidérologie, quoi. Et pas quelque chose d'abstrait, comme ça. Je suis assez d'accord, c'est un slogan un peu œcuménique. Oui, ouais. Bien le mal. C'est un peu ça. Non, je suis assez d'accord, c'est pas un slogan qui est très... Ma foi, ça fait pas de mal, mais ça ne s'implique pas beaucoup et ça ne dit pas grand-chose. En tout cas, la tâche est immense, puisque moi-même, je suis sensibilisé, j'ai des amis séropositifs qui ont déclaré des pathologies, qui sont trithérapie, malades comme les chiens. J'arrête pas de me battre auprès de mes amis jeunes. Et c'est comme si c'était dans un violon, quoi. Je sais pas quoi faire. Alors, je les engueule, je suis un peu le patriarche, mais il n'y a rien à faire, quoi. Ils ne se sentent pas concernés, quoi. Ils ne connaissent pas mes amis séropositifs. C'est vrai que là on est un peu démunis les uns et les autres. Hein. C'est peut-être pour revenir peut-être sur le point qu'évoquait Jimmy tout à l'heure sur le rôle que peut jouer SIDA Info Service. C'est pas seulement vrai d'ailleurs pour SIDA Info Service, et c'est pas pour tirer la couverture à nous, mais peut-être que les stratégies de communication qui toucheraient un groupe d'individus, un groupe de personnes, sont des stratégies qui sont très difficiles à mettre en place. Hein. On voit effectivement que ce soit par la peur, que ce soit par l'engueulade, que ce soit par la compassion, on réussit très peu à toucher des groupes de personnes. Ça, c'est pas seulement vrai pour les associations, mais c'est vrai aussi pour les pouvoirs publics et les médecins. Là où on peut intervenir, c'est peut-être au niveau individuel. Et c'est un peu là qu'on peut, nous, en tout cas, SIDA Info Service, jouer un rôle, puisque nous, quand on est au téléphone ou quand on est derrière un écran d'ordinateur avec une personne, ma foi, on répond à une seule personne. Et on peut plus facilement être auprès de la situation de la personne, surtout au téléphone où c'est direct. Et là, effectivement, on peut réagir directement à ce qu'elle va nous évoquer, à ce qu'elle va mettre en avant sur sa situation. Et du coup, trouver aussi les endroits où ça pêche et les endroits où ça coince. Qu'est-ce qui pose difficulté? Qu'est-ce qui a provoqué soit la contamination, soit la situation de risque? Et effectivement, individu par individu, personne par personne, on peut intervenir de façon assez significative et assez utile. C'est plus difficile sans doute sur des messages qui sont des messages transversaux, qui vont concerner plusieurs personnes. Parler à plusieurs personnes de quelque chose qui est quand même très intime et très individuel comme la sexualité, c'est extrêmement difficile et ça reste un exercice très difficile. Si une réaction de Stéphou qui est parmi nous et qui s'occupe du son et qui va aussi peut-être réagir, poser une question à SIDA Info Service et faire une conclusion. Je pense effectivement très vite, relativement à d'autres maladies. La progression est importante, hein, puisqu'aujourd'hui, on allège beaucoup les traitements, comme je le disais tout à l'heure, on prend de moins en moins de comprimés. Maintenant, la recherche concernant les vaccins, que ce soit le vaccin préventif, c'est-à-dire le vaccin qui empêchera une personne d'être contaminée, ou le vaccin thérapeutique, c'est-à-dire le vaccin qui sera administré à une personne et qui lui permettra d'arrêter ses traitements pendant un certain laps de temps, malheureusement, là, de ce côté-là, la progression elle n'est pas spectaculaire, notamment au niveau du vaccin préventif. Le vaccin préventif, c'est-à-dire celui qui va empêcher la contamination, c'est malheureusement pas d'actualité et ça ne risque pas de l'être pour les mois ou les années, j'espère que je ne parle pas en défaitiste, à venir. En tout cas, c'est amené à prendre du temps. Pour ce qui est du vaccin thérapeutique, c'est-à-dire le vaccin qu'on va administrer aux personnes et qui leur permettra de suspendre provisoirement pendant quelques mois leur traitement, et donc du coup d'alléger aussi leur vie. Ce vaccin-là, il progresse, mais il a progressé beaucoup il y a quelques temps. Maintenant, la recherche piétine un petit peu de ce côté-là, puisque on a des pistes, mais pour l'instant, elles ne sont pas encore abouties. Justement, si je peux réagir sur les médicaments. Bien sûr. On dit souvent que la trithérapie fait prolonger la durée de vie, mais malheureusement, ça fatigue beaucoup. Et ça fatigue beaucoup. J'ai connu des amis qui étaient contaminés par le virus du sida, mais qui étaient hyper épuisés, qui étaient pratiquement
au point de lâcher les médicaments tellement que ça leur détruit encore plus physiquement, on va dire. Donc, est-ce que la trithérapie est la meilleure solution par rapport aux malades? Aujourd'hui, à ce jour, ça reste malheureusement la seule piste souhaitable. Sachant que on dispose de plus en plus de palettes de traitements, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de possibilités de combiner les traitements différemment. Remplacer une molécule par une autre, tenir compte des effets secondaires. Mais il n'empêche que pour les personnes qui sont séropositives depuis longtemps et qui ont déjà connu beaucoup de traitements, je pense qu'à ce qu'évoquait Tom tout à l'heure, effectivement, pour ces personnes-là, la situation, elle est très difficile parce qu'elle oblige à une surveillance à différents niveaux. Une personne qui a des traitements depuis plusieurs années, effectivement, l'organisme est fatigué. Hein. Les médicaments, ils s'attaquent à deux choses. Ils s'attaquent au virus, ils affaiblissent le virus et ils stimulent le système immunitaire, c'est-à-dire qu'ils renforcent les défenses immunitaires. Mais tout ça affaiblit beaucoup l'organisme des personnes. Ça oblige à une surveillance au niveau du foie, puisque le foie est toujours concerné par des traitements lourds comme les traitements anti-VIH. Donc, on a un risque hépatique important, un risque de développer une hépatite médicamenteuse. Donc, il faut surveiller le foie. Il faut également surveiller le cœur, puisque, encore une fois, parmi les effets secondaires les plus importants développés à partir des traitements, il y a les pathologies cardiovasculaires, et ça, de plus en plus. Donc, il y a une surveillance au niveau cardiaque à avoir, mais également une surveillance au niveau neurologique, puisqu'on sait que les traitements ont également des effets sur le système nerveux, et enfin, une surveillance au niveau de développement des cancers, malheureusement. Jimmy voudrait réagir. Tom aussi. Vas-y, Tom. Il y a également une donnée psychologique, quoi. C'est pas évident d'avoir un ami qui prend ses traitements qu'un jour sur deux ou un jour sur trois. C'est tout ce qu'il peut faire. Alors, il se fait engueuler à l'hôpital, mais c'est une négociation, quoi. Alors après, il y a des petites astuces, quoi, pour mieux supporter les traitements. Mais bon, pour l'instant, c'est interdit en France. Je pense au THC, qui amoindrit certains effets secondaires chez un ami en particulier. Mais bon, c'est pas pour demain, quoi. On n'est pas aux États-Unis. On peut pas acheter de l'herbe à la pharmacie encore. Ça reste interdit. C'est vrai. Alors, ce qui peut aider aussi les personnes, c'est un accompagnement psychologique autour de ça. Alors, ça peut être effectivement par le biais d'une psychothérapie, mais ça peut être aussi par le biais des relais associatifs. Il y a beaucoup aujourd'hui d'associations de lutte contre le sida qui proposent aux personnes séropositives qui ont du mal avec leur traitement un accompagnement personnalisé. Et notamment, sur le site de Sida Info Service, il existe un service qui s'appelle Sida Info. Est-ce que vous pouvez dire un accompagnement personnalisé aux personnes qui sont sous traitement et qui ont des difficultés à prendre leur traitement pour que au quotidien, on puisse être à leur côté et les soutenir aussi dans la régularité du traitement qui conditionne aussi la bonne efficacité du traitement. C'est vrai qu'un traitement qu'on prend comme ça de façon un peu hachée peut poser des problèmes parce que le corps, malheureusement, il a une capacité à s'adapter aussi très rapidement à une interruption de traitement. Jimmy, une réaction? Oui, parce que bon, je peux donner un témoignage personnel, quoi. Donc, j'ai peut-être eu la chance finalement d'avoir dû attendre de basculer dans un sida avant de prendre ma thérapie. Et là, je peux dire que bon, entre la trithérapie et la maladie, c'est le jour à la nuit. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas photo, quoi. Donc, quand on connaît vraiment les dégâts et l'horreur que procure cette maladie-là, effectivement, les trithérapies sont douloureuses, sont dures à supporter, mais on les supporte vraiment très bien. Et je peux vous dire que la seule fois où j'ai raté une prise, c'est parce que mon pharmacien avait oublié de commander le médicament. Mais depuis les 3 ans que j'ai ma trithérapie qui fonctionne, j'ai pas raté une seule prise. Mais c'est sûr que c'est éprouvant comme traitement, mais beaucoup moins que ce qu'on peut supporter quand on ne prend pas, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, je comprends très bien ce témoignage. Hein. Effectivement, je peux attester que beaucoup de personnes qui nous ont appelés et qui continuent de nous appeler
font état de ça, effectivement. On supporte mieux la trithérapie par rapport à ce qu'on a vécu inhérent à la maladie. Ça, c'est tout à fait vrai. Question de Pierre. De rater des prises peut être plus grave. Je connais quelqu'un qui les oublie assez souvent, on va dire, mais j'ai peur que ça s'aggrave pour lui. Je pense que Pierre a raison de s'inquiéter. Ça serait bien d'inciter la personne en question, soit en parler avec son médecin VIH, mais je suppose que c'est déjà fait, soit en parler peut-être avec un psychologue, soit peut-être aller consulter les associations de lutte contre le sida qui sont dans sa région, ou appeler Sida Info Service pour qu'on puisse l'orienter, ou éventuellement l'orienter sur notre site où il y a encore une fois Sida Info Plus, qui est réservé, qui est particulièrement destiné aux personnes séropositives, pour les aider dans ces difficultés inhérentes au traitement. Mais effectivement, arrêter son traitement, c'est courir le risque que le virus s'adapte et que du coup, après, les traitements soient moins efficaces. Juste pour dire qu'il est 21h presque 55, oui. Qu'il reste 5 minutes. D'accord. Donc, si on pourrait, on va laisser la conclusion à vous, si d'info service, pour dire tout le ressenti, tout ce que vous voulez dire par rapport à la soirée du débat, faire une conclusion. Alors, remercier toutes les personnes qui ont participé à ce débat de l'intérêt qu'elles ont porté au sujet qu'on a traité aujourd'hui, que c'est peut-être une première à renouveler, hein. Nous, on est tout à fait partant pour renouveler l'opération avec vous si vous le souhaitez. Là, il y a eu des petites difficultés techniques, hein. Je pense que les uns et les autres, ma foi, on découvre un peu les choses. Mais en tout cas, je suis très très touché par les questions pertinentes et puis l'intérêt qui a été développé encore une fois autour de ces questions-là. D'accord. C'est fou. On peut te laisser la parole maintenant. Donc la question que tu m'as posée, tu lui diras en direct. Voilà. Donc moi, je voulais savoir aussi les démarches pour faire le dépistage. Oui. Bon, il n'y a pas grand. Et où on s'arrête. Alors. Il n'y a pas de démarche particulière pour faire le dépistage, on peut s'y prendre de plusieurs façons, soit s'adresser à son médecin traitant pour lui demander une prescription qu'on va ensuite réaliser dans un laboratoire à sa convenance, hein. Il s'agit d'une prise de sang. Alors c'est bien d'avoir son médecin, mais c'est aussi intéressant d'aborder avec lui la date à laquelle on pense avoir été exposé s'il y a effectivement une situation préoccupante. Si maintenant on ne souhaite pas en parler avec son médecin, c'est tout à fait entendable. Dans ces cas-là, on peut s'orienter vers ce qu'on appelle les consultations de dépistage anonymes et gratuites, hein, les CDAG dont on parlait tout à l'heure. L'adresse des CDAG, on peut l'obtenir soit sur le site de Sida Info Service, soit en appelant le numéro vert de Sida Info Service. Hein, c'est un numéro gratuit qui fonctionne de 8h à 23h absolument tous les jours, y compris le dimanche et les jours fériés, qui est gratuit de n'importe quel téléphone fixe, y compris d'une cabine, il n'y a pas besoin d'une carte pour ça, ça n'apparaît pas sur la facture téléphonique pour les personnes qui auraient des craintes que ça apparaisse sur la facture téléphonique. Et nous, on vous donne non seulement les adresses, mais également les horaires, les jours d'ouverture, les moyens pour s'y rendre. Donc c'est également possible de cette façon-là. Il reste un troisième moyen qui est souvent utilisé, c'est les consultations des centres de planification. Hein, il ne faut pas oublier, encore une fois, pour les jeunes dont on parlait tout à l'heure, que également les centres de planification auxquels les jeunes peuvent s'adresser pour une contraception sont également des lieux où on peut effectuer des dépistages anonymes et gratuits. Le rappel du numéro de Sida Info Service. Alors, c'est le